Mesdames et messieurs, vous venez de suivre le change entre les deux chefs d'État ici, du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Vous bougez trop. La première phase par le gaz, on va jusqu'à la zone. La deuxième phase, la même qui sera desservie. Et puis là, c'est le mariage. Okay. Ensuite, il y aura ce que nous appelons la boucle. C'est-à-dire nous partirons toujours de la gare centrale pour arriver à Mimosa, Upen, Citadel, Kimwenza, Madinde, gare centrale. Et la quatrième phase, c'est de l'aéroport jusqu'à la zone. Vous vous souviendrez, excellence, quand vous nous avez reçus. Hé, mon cher. Comment vous intégrez ce projet dans le c'est possible d'intégrer. L'appui du gouvernement, par contre du ministre des Transports et du ministre des Finances, nous avons dit pendant 15 ans que le geste du gouvernement fera que ce projet puisse démarrer réellement. Et nous avons reçu suffisamment de moyens via le BCCO. Aujourd'hui, nous sommes à même avec le gouvernement de la ville pour déplacer, délocaliser les gens qui sont de l'ombrage. Il y a l'argent suffisamment. C'est fait déjà. Et nous sommes en train déjà de construire des villes, disons une cité ferroviaire. Nous devons être logés, les gens de Pagajouan. Et pour
Au départ, dans la première phase, notre chiffre d'affaires tournera autour de 80 millions. Et dans la première, deuxième, quatrième phase, c'est 400 millions. Aujourd'hui, je suis fier d'être là. Parce que nous sommes déjà restés depuis 15 ans et nous n'avons pas vu ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est sans plus. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle qu'il y a le stand de Donc vous construisez à votre manière. Ah oui, bien sûr. Excellent sur le ciment, complètement. Et les panels parlementaires que nous. C'est la même chose. C'est la chaud, regardez. Ah ouais, ça va. Ça va. Donc les gens sont eux-mêmes. La présentation, c'est bien. Oui, avec toutes les entreprises et tous les acteurs et établissements publics. Nous sommes venus prendre votre vision en compte, parce que nous considérons que sans transport, on doit être une personne. Sans académie, je dois être quelque chose. Le chemin de fer est là. La SNCC. AB Business. Non, Congo Airways est là. AB aussi. La SNCC est présente. Mais moi j'ai déjà donné ma bénédiction. C'est plus à mon niveau. Merveilleux. Bouge. C'est dans ce sens ou c'est comme ça? C'est comme ça. Ça éclaire le grand trou. En étant dans ce sens? Non, dans ce sens, c'est comme ça. Ah, c'est voilà, donc le soleil, voilà. La superficie que c'est la matière donne peut-être 75 kg. Et vous avez déjà passé des contrats avec la ville? Oui, des petits contrats avec le groupe de la Ce que nous envisageons aujourd'hui, c'est avoir, comme je l'ai dit à l'expo, à l'horizon de 2036, uniquement pour Kinshasa.
si on devait exposer l'EF, je devais dire ça devait être un expo à l'horizon RDC 2036. Parce que nous devons être partout éclairés. Et nous, notre objectif et mission, c'est aller dans des coins reculés où il n'y a pas d'électrification, où les choses manquent. Nous avons des petites portables, par exemple, qui sont solaires, que les gens peuvent avoir pour l'alimentation. Nous avons des réchauds solaires, nous avons des fers à réparer solaires, nous avons tout ce que la personne a besoin de. Aussi dans l'eau potable, nous avons des étangs immergés solaires aussi. Nous avons le photo, nous avons. Et ça, c'est quoi ce solaire? C'est une pompe immergée solaire. C'est quoi? Une pompe immergée solaire. Et comment vous faites ça? Comment vous, en pratique, ça se passe? Comment c'est un forage? Oui, c'est avec un forage. Ah, s'il vous plaît, arrêtez d'imaginer ça. C'est quoi ton idée? Et Dev, ça veut dire quoi, Dev? Oui, on passe à ça. Oh, ça va. Je suis dans le. Si vous êtes concurrentiel, ça va.
d'abord, contre quoi? Merci. Merci. Pourquoi on l'avance? Si c'est une entreprise turque. Ah. D'abord, c'est de l'installation et de la fourniture de matériel électrique. Nous travaillons avec des miniers, cimenteries, brasseries. Notre force est vraiment au niveau minier et surtout notre force, c'est dans l'installation et la qualité de nos produits et surtout notre service après-vente. Donc ça veut dire que nous ne nous arrêtons pas juste à vous fournir le produit. Nous continuons, nous avons un bureau d'études, nous travaillons vos projets du début jusqu'à la fin et nous vous accompagnons par après. Je pense que voilà, il a surtout vu que c'était une société familiale puisque lorsqu'on annonce que nous sommes là depuis 40 ans,
évidemment, ça annonce quand même, bon, moi ça vient de mon papa, monsieur Charles de Gaulle qui est ici à côté de moi, est aussi quelqu'un qui est avec nous depuis des années et des années. Donc nous sommes tout d'abord une grande famille. Et une de ses dernières phrases, d'ailleurs, quand il est parti, c'était de nous dire que je vois que vous êtes une grande société familiale. Et je pense que c'est ce qui fait également notre force, c'est d'être ensemble, soudés. Nous sommes locaux. Et voilà, c'est vraiment, c'est une très grande importance pour nous. Et on le dit chaque jour, Panaco, c'est une famille. C'est une ville qui est en pleine construction. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment une solution pour les bâtiments. Dans le sens où on fournit les matériels, je pèse bien mes mots, les matériels de qualité. Parce que nous travaillons avec des firmes et des sociétés internationales, des renommées, ce qui fait que nos produits, et nous sommes identifiés généralement comme ça, comme étant la qualité. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.